Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je réponds à la question: est-il possible d'atteindre la perfection dans ce monde, quelle que soit notre essence, qu'on soit un humain, un animal, un minéral, une créature fantastique qui n'existe que dans la tête des humains? Peu importe ce que l'on est, peu importe la forme, on ne peut pas atteindre la perfection dans ce monde. La perfection, c'est quelque chose, c'est une qualité de l'ordre de l'absolu. Quelque chose qui n'est pas parfait, c'est quelque chose qui ne peut être qualifié, qui n'a pas de caractéristiques. Quelque chose qui ne peut pas être en conflit, en opposition, parce qu'il n'y a pas de dualité. Donc à partir du moment où ce monde existe, et on considère que il est fait d'individus discriminables, ça veut dire qu'on peut dire, on peut nommer, on peut dire, toi tu es extérieur à moi, ça, cette chaise, cette personne, c'est pas moi. À partir du moment où un seul morceau de l'ensemble pense qu'il est différent et extérieur à tout le reste, il y a dualité, il y a hiérarchisation des qualités, et donc il n'y a pas de perfection, puisqu'on est toujours en relief par rapport à quelque chose, et qu'on ne peut pas avoir développé aucune des qualités de ce monde, qui sont des déclinaisons, des diffractions de moins bonne facture d'une certaine manière que la perfection elle-même. On peut pousser aussi loin qu'on veut, cette qualité, elle se fait toujours, voilà, en comparaison. Donc, on peut pas être parfait, et personne dans l'histoire de l'univers a été parfait. Et s'il y a une chose qui peut être parfaite, c'est l'univers lui-même en tant que tout, en tant que juste vaste océan de particules primordiales qui, elles, sont atomiques, indivisibles, qui sont nombreuses selon un point de vue, mais ne pouvant être qualifiées, puisque vraiment primordiales, elles sont parfaites. Par contre, c'est toute la couche de complexification, d'agrégation de ces particules ensemble, du fait qu'il y a un esprit qui regarde des fragments de ce tout et les qualifie d'individus, qui fait qu'on sort de la perfection. Je ne sais pas si c'est possible et souhaitable, du coup, d'atteindre la perfection. Question ouverte.